بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما سهل وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans le cadre de ce live hebdomadaire que nous partageons ensemble en cette soirée. Le rappel d'aujourd'hui, inshallah, je l'emprunterai à un épisode de la biographie prophétique Sirah Nabawiya, qui est à bien des égards riche en enseignements. Vous l'avez probablement lu, ce fameux épisode lié à l'émigration vers Médine. Lorsque le compagnon Abu Salama décide de partir en direction de cette nouvelle ville sainte qui est Médine, en compagnie de son épouse Ummu Salama et de leur enfant Salama. Donc ils se préparent pour pouvoir entreprendre ce voyage. Le souci, c'est qu'au moment où ils allaient partir, chacun des deux conjoints appartient à un clan tribal différent. Ils sont tous Quraïchites. Et comme vous le savez, Quraïch est composé de plusieurs branches tribales. Lui est issu des Banu Asad, quant à elle, son épouse Ummu Salama est issue de ce que l'on appelle de la branche familiale tribale Quraishi, que l'on appelle les Banu Mughira. Lorsque les deux familles respectives ont appris que le couple comptait partir et quitter plutôt Médine, la Mecque, ces deux familles se sont précipitées au moment du départ pour se présenter sur les lieux mêmes et se disputer avec le couple. Le problème, c'est que ces deux familles, à cause de cet épisode de l'Hijra, s'est retrouvées dans une mauvaise entente. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a la famille du compagnon Abu Salama, qui le voit partir et qui décide de le laisser partir. Mais il y a la famille, à contresens, il y a la famille de Ummu Salama, les Banu Mughira, qui eux ne veulent pas la laisser partir. Et c'est là que naît un conflit et une dissension entre les deux familles. Cette dissension se termine par la séparation de Ummu Salama de son mari. Son mari, lui, peut partir, mais pas elle. Sa famille refuse de la laisser partir. Maintenant, reste un élément, leur enfant, qu'en est-il ? Là aussi, la dispute éclate entre les deux clans, chacun veut se le revendiquer. C'est le fils d'une telle, mais c'est aussi le fils d'un tel. Donc chacune des deux familles cherche à récupérer l'enfant. Ils allaient presque se l'arracher. Et pour finir, c'est
la famille d'Abu Salama qui réussit à garder l'enfant. Et voici que notre compagnon Abu Salama fait le voyage seul jusqu'à Médine. Umm Salama, elle reste à la Mecque. Bon, elle a, alhamdoulilah, son enfant qui reste quand même à la Mecque. Elle sait encore le garder, le voir. Et tous les jours, pendant près d'un an, elle se rendait à la sortie de la Mecque. Et elle pleurait. Elle pleurait la séparation de son mari, de le savoir loin d'elle et de son enfant. Puis les proches de la famille ont eu quelque peu, ils ont eu de la pitié pour elle et ont mis la pression sur les Banu Mughira, donc les proches de Umm Salama, pour qu'il la laisse partir. Il la laisse partir afin qu'elle rejoigne son mari, Abu Salama, qui était déjà arrivé à Médine. La famille concède, enfin. Elle aussi, ayant de la pitié pour finir pour leur fille, il la laisse partir. Elle prend son enfant, elle s'en va. Donc elle monte sur son chameau et elle sort de la Mecque, elle va dans une localité qui existe encore aujourd'hui, qu'on appelle At-Tan'im. Elle fait une halte dans cette localité qui se dénomme At-Tan'im. Et c'est là que la voit un Mécois, un jeune Mécois, qui était très respecté dans la cité mécoise, il la voit. Et il est étonné de la voir seule. Enfin, seule, avec son enfant, bien sûr. Mais il ne voit pas son mari avec elle. Et alors, il lui pose la question, « Où comptes-tu te rendre ?» Elle lui répond, « Je compte me rendre à Médine pour rejoindre mon mari. » Et c'est là qu'il lui propose de l'accompagner. Parce que pour lui, il était inconcevable de laisser une femme seule, avec son bébé, traverser tout le désert, 450 kilomètres, toute seule au milieu du désert. Ça, c'était exclu. Et je rappelle en passant que cet homme qui a proposé de l'accompagner était un homme païen. C'était un mouchrik. Il s'appelait Uthman ibn Abi Talha. Son père avait été tué lors de la bataille d'Uhud. Et c'était un homme qui avait beaucoup d'animosité envers l'islam, de par la proclamation du message d'une part, et d'autre part parce que son père est mort lors de la bataille d'Uhud. Pourtant, il sait que cette femme, Umm Salama, est musulmane, il le sait. Mais pour lui, par principe, on ne peut pas laisser une femme, même une femme appartenant à son camp ennemi, on ne peut pas la laisser partir toute seule au milieu du désert, avec tous les dangers qui peuvent la guetter. Et il décide de l'accompagner après avoir reçu l'accord de cette femme. Donc il prend sa monture à lui, il va devant, elle le suit. Et à chaque fois... qu'elle désire s'arrêter, il s'arrête également, il saisit les rênes donc de son chameau, il la laisse descendre, il l'attache, lui il s'éloigne d'elle, au cas où il voudrait vaquer à ses besoins ou se reposer, il se met toujours à distance, et durant tout le trajet, 450 km, il ne lui a jamais adressé la parole. Même, il ne l'a jamais regardée. Il ne l'a jamais regardée, il n'a jamais levé les yeux sur elle. Avec un profond respect, une grande pudeur, il se mettait à distance pour lui laisser son intimité. Et puis, après cela, dès qu'elle avait envie de repartir, il lui faisait un signe de loin, il revenait, il détachait donc la fameuse corde ou les rênes de ce chameau pour qu'elle puisse remonter. Il prend sa monture et continue. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au faubourg de Médine. Lorsqu'ils sont arrivés au faubourg de Médine, à l'entrée de Médine, et que le Uthman bin Abi Talha a commencé à voir les maisons médinoises, il dit à cette femme, ton mari est ici, maintenant tu peux le rejoindre. Et il a laissé terminer le chemin seul, de toute façon on n'était pas très loin, il a laissé terminer le chemin seul, et lui il a rebroussé chemin, et revenu à la Mecque. Umm Salama était marquée par le comportement de ce païen qui à la base la déteste parce qu'elle est musulmane, parce qu'elle appartient au camp ennemi. Elle était étonnée, elle était subjuguée par son comportement, sa conduite. Et elle dira plus tard, « Je n'ai jamais vu un homme aussi honorable et généreux
que Uthman ibn Abi Talha. Parce que l'histoire de tout ce déplacement, on l'a su via cette femme, via Umm Salama, qui, comme vous le savez, plus tard, après la mort de son mari, elle deviendra l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umm Salama, c'est elle qui va nous raconter tout le périple du voyage et quelle a été l'attitude de cet homme païen. Une attitude marquée profondément par le respect, la pudeur, la décence, le sens de l'honneur aussi. C'est un païen, il aurait pu, au milieu du désert, l'attaquer, lui faire du tort, se venger d'elle aussi, parce qu'elle appartient à une communauté adverse, mais il ne l'a pas fait. Parce que c'était un homme qui avait des principes, quand bien même il était païen. Il avait des principes, il avait une haute moralité, il avait de la pudeur, de la décence, il avait un sens de l'honneur aussi. Et ce sont de grandes qualités qui vont le conduire quelques années plus tard à se convertir à l'islam. Il va se convertir l'an 8 de l'Hégire, en compagnie de deux autres qui se convertiront aussi au même moment, que sont Khalid ibn Walid, que vous connaissez toutes et tous, le célèbre commandant, et Amr ibn al-As. Ils se convertissent, ils se rendent tous les trois, parce qu'ils se connaissaient bien, ils se rendent tous les trois à Médine, pour annoncer leur conversion auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam, l'an 8, quelques temps avant la reprise de la Mecque, Fathu Makkah. Vous savez que cet homme devenu compagnon, lorsqu'il a accompagné Umm Salama, durant cette période-là, il était le gardien de la Mecque. C'était lui qui détenait la clé d'ouverture de la porte de la Mecque. Et cet honneur d'être gardien de la Mecque, gardien du temple, on appelle ça en arabe Sadana, ou Sidana aussi. Sidana. Ce poste honorifique, sa famille, la famille de Uthman ibn Abi Talha, l'exerçait déjà depuis des siècles. C'est de père en fils. Et c'est lui qui a hérité de cette fonction d'être le gardien du temple sacré. C'est lui qui ouvre la porte de la Kaaba, c'est lui qui met tout en œuvre pour laver la Kaaba, etc. Bref, il doit entretenir le temple sacré. Quel honneur. Sachez, mes chers frères et sœurs, que cette famille que l'on appelle les Banu Shayba, encore aujourd'hui, 15 siècles plus tard, c'est toujours elle qui détient les clés de la Kaaba. Donc par exemple, lorsque chaque année, lors du nouvel an égyrien, donc le premier de Muharram, que se passe-t-il à la Mecque, il y a le gouverneur de la Mecque qui vient avec d'autres fonctionnaires, et ils appellent aussi cette famille, en tout cas l'aîné, le doyen de cette famille, qui vient avec la clé de la Kaaba. Et il y a un nettoyage de la Kaaba qui est fait. On retire le tissu qui enveloppe la Kaaba et on en met un autre. Mais tout ça se fait en présence de cet homme qui est l'un des descendants de ce compagnon Uthman ibn Abi Talha. Lors de la prise de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé les clés de la Kaaba pour entrer à l'intérieur et détruire les statues, les fausses divinités. Uthman ibn Abi Talha les a concédés au prophète sallam, et c'est là que la famille proche du prophète sallam, Ali ibn Abi Talib, Al-Abbas et d'autres de sa famille, Ahlul Bayt, voulaient récupérer la clé pour eux, en se disant la clé doit nous revenir, nous sommes la famille du prophète sallam, c'est à nous de pouvoir jouir de ce privilège, maintenant que nous avons repris la Mecque, maintenant que la Mecque est musulmane, à nous revient ce privilège de récupérer cette clé et de pouvoir nous entretenir le temple sacré. Chose que le prophète a refusé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a refusé de manière catégorique. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Une fois qu'il a détruit les statues, les idoles, ces fausses divinités à l'intérieur de la Kaaba, il a exigé de Ali ibn Abi Talib à ce qu'il remette la clé à Uthman ibn Abi Talha. Et c'est comme ça que cette clé passait de main à main jusqu'à aujourd'hui, dans cette même famille. Jusqu'à aujourd'hui, regardez combien de siècles se sont écoulés. Jusqu'à aujourd'hui, c'est cette famille même,
qui garde la clé. Bon, la clé, entre-temps, là, bien sûr, elle a évolué. On a créé de nouvelles clés, et même des sultans ottomans qui ont fait faire de nouvelles clés. Même aussi certains rois saoudiens ont fait la même chose. Le roi, je pense, c'est le roi Abdallah, qui a régné de 2005 à 2015. Il a refait une nouvelle clé. Donc la clé, bien sûr, elle a connu, comment dire, de nouvelles confections. Ça, c'est une évidence. Alors pourquoi j'ai cité le récit de cet homme, Uthman ibn Abi Talha? Parce que ça me rappelle à bien des égards la parole du prophète, sallam, qui dit « An-nasu ma'adin ». Les gens sont comme des sources de minerais. Khiyaruhum fil islam, khiyaruhum fil jahiliya, idafaquhu. Les gens sont comme des minerais, des sources de minerais par rapport aux valeurs et aux principes dont ils sont porteurs. Les meilleurs d'entre eux dans la jahiliya, donc avant l'islam, seront les meilleurs dans l'islam même, idafaquhu, s'ils s'instruisent. Le prophète sallam met ici en évidence qu'il y a des personnes non musulmanes qui ont toutes les qualités, qui ont toutes les valeurs possibles, imaginables, et ces qualités, ces valeurs gagnent en éclat, gagnent en splendeur, gagnent en beauté lorsqu'elles adhèrent à l'islam. Et c'est aussi une reconnaissance de la part du prophète sallam que les meilleures qualités, les meilleures vertus ne se retrouvent pas toujours chez des personnes musulmanes, mais même des personnes non musulmanes peuvent être porteuses de grands principes, de grandes vertus, de grandes qualités. Ça nous apprend aussi à ne pas être manichéens. Il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Et ce comportement qu'a eu ce jeune homme, Uthman ibn Abi Talha, qui, je le rappelle, ne va se convertir que pratiquement 7 ans plus tard. 7 ans après, ou 6 ans après, plus ou moins après, l'épisode qu'il a eu avec Umm Salama. Mais en fait, il avait tout. Il avait absolument tout, tous les atouts pour pouvoir adhérer à ce dîn. Et c'est pour cette raison que nous aussi, nous devons nous interroger nos propres comportements, nos propres valeurs, nos propres conduites, et reconnaître les mérites qui reviennent à ceux qui en sont détenteurs. Que ces personnes soient musulmanes ou non, nous devons leur reconnaître leur mérite. On ne peut pas être manichéen, noir ou blanc. Ça n'existe pas. Il y a toujours de la nuance quelque part. Donc je retiens la leçon essentielle de notre rappel. C'est travailler sur nos comportements, nos conduites, nos principes, nos valeurs, développer le sens de l'honneur. Quand je dis l'honneur, ce n'est pas l'honneur machiste, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. L'honneur, c'est d'être porteur de principes avec lesquels on ne tergiverse pas. On ne fait pas de concessions aux uns aux autres pour leur faire plaisir, non. J'ai des principes, j'en suis convaincu, j'en suis fier. Et aussi la fidélité, l'ouafa. La fidélité, l'ouafa. Et de ne pas s'attendre à un quelconque mal de notre part. C'est exactement ce qu'a fait cet homme avant d'être musulman. Il a accompagné cette femme, alors que pour lui, c'est une femme ennemie. Pardon. C'est une femme ennemie, appartenant au camp ennemi. Et pourtant, il l'a accompagné durant tout ce trajet, sans lui causer le moindre tort. Rappelez-vous ce que disait Umm Salama, il ne lui a jamais adressé la parole. Il n'a même pas levé les yeux sur elle. Parce qu'il est ému, comme je le dis, par cette pudeur, cette décence, ce respect profond, cette humanité qui est en lui, que nous aussi nous devons développer. Humanité qui existe aussi, Dieu merci quand même, auprès de nombreuses personnes qui ne sont pas musulmanes. Et ces personnes-là, nous ne pouvons qu'invoquer Dieu, qu'il ouvre leur cœur et leur poitrine à la foi et à la lumière de ce dîn. Tel était ce rappel, Inch'Allah, c'est une interpellation quant à nos conduites, nos valeurs, nos principes, qui ne sont pas, j'insiste beaucoup là-dessus, nos valeurs, nos principes ne sont pas marchandables. Celui qui marchande ses valeurs et ses principes, c'est celui qui ne sera jamais reconnu dans, comment dirais-je, à qui on ne reconnaîtra jamais le moindre sens de l'honnêteté.
Parce que quiconque vend ses principes peut vendre autre chose. Peut même vendre celui à qui il les vend. C'était le rappel que je tenais absolument à faire par rapport au récit de Uthman ibn Abi Talha, que Dieu l'a gréé, radiallahu anhu arda, parce que c'est devenu un compagnon par après. Et toutes les grâces reviennent à Dieu. Maintenant, inshallah ta'ala, je voudrais enchaîner sur la question du jour. Il est de coutume de dire à quelqu'un à qui Dieu accorde un bienfait, Masha'Allah. Et quelquefois on entend quand vous avez un bienfait et qu'une autre personne vous dit ah, c'est bien, c'est beau ce que tu as, c'est bien, vous lui répondez dis Masha'Allah, dis Masha'Allah. Expression très connue chez nous. Et je voudrais apporter une précision par rapport à ça, parce qu'il y a quand même une certaine confusion quant à ces formules de bienséance liées à notre façon de remercier Dieu et de préserver ces biens que nous avons. Et ces bienfaits que Dieu nous a accordés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par Al-Hakim et d'autres, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Idara a ahadukum min nafsihi ou min akhihi ma yu'jibuhu, fal yad'u lahu bil baraka. » Celui parmi vous qui voit entre ses mains ou auprès d'autrui ce qui lui plaît, qu'il invoque en sa faveur la bénédiction. Donc qu'il lui souhaite la bénédiction. D'accord ? On va revenir sur ce point. Dans le cas contraire, si une personne a reçu certains bienfaits, a été gratifié par Dieu, par Allah Azza wa Jalla. Là aussi, le messager nous apprend dans ce hadith rapporté par le mot scellé dans son mousnad. Il dit ici que le messager a tenu le propos suivant, que celui qui voit un bienfait, ou plutôt que si Allah Azza wa Jalla, إذا أنعم الله عز وجل على عبده نعمة إذا أنعم الله على عبده نعمة من أهل أو مال أو ولد فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى آفة دون الموت. Donc ما أنعم الله على عبده نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى آفة دون الموت. Je traduis, il n'y a pas un serviteur qui est comblé par Allah Azza wa Jalla par un bienfait, qu'il s'agisse de la famille, donc l'épouse, ou encore de bien, ou encore d'un enfant, et qui dit ما شاء الله لا قوة إلا بالله, il ne verra pas de méfait l'affecter si ce n'est la mort. Voilà la traduction. Il ne verra pas de méfait l'affecter suite à cette invocation si ce n'est la mort. Sauf si Dieu a décidé de doter son âme ou l'âme de la personne qu'il apprécie, qu'il aime autour de lui, le Seigneur le fera. Sinon, il n'y aura pas d'autres méfaits. Le prophète, en tenant ce propos, sallallahu alayhi wa sallam, il s'inspire du verset 38 de la sourate La grotte, Al-Kahf. L'homme qui détenait le jardin. Le Seigneur dit, donc dans le récit de ces deux hommes, il est dit « وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » Si seulement, ô toi mon ami, lorsque tu entres dans le jardin qui t'appartient, si seulement tu étais entré et que tu aies dit « مَا شَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » مَا شَاءَ اللَّهِ, donc toute la volonté appartient à Dieu. La quwwata illa billah, il n'y a de force et de capacité qu'en lui, subhanahu wa ta'ala. Et cette invocation, elle est importante parce qu'elle permet de préserver la baraka des biens que nous avons. En résumé, lorsque quelqu'un a un bienfait, je ne lui dis pas, masha'Allah, je lui dis, Allahumma barik, barakallahu lak. Et je dis pour mes propres biens à moi, les bienfaits qui m'ont été accordés, pour les miens, ce qui m'affecte moi personnellement, je dirais « Masha'Allah, la quwwata illa billah ». Comme ça, vous comprenez un peu la nuance qui méritait d'être dite.
Parce que beaucoup de gens mélangent un peu les choses et pensent qu'il faut dire à son prochain, Masha'Allah. Non, Masha'Allah, la quwwata illa billah, on le dit à soi-même. On le dit à soi-même lorsque Dieu nous gratifie par un bienfait. Mais si ce bienfait a été donné à quelqu'un d'autre, pour éviter le mauvais œil, et le prophète nous apprend al-'ainu haqq, le mauvais œil est vérité, pour éviter que la personne à qui Dieu accorde un bienfait ne soit enviée, ne soit victime du mauvais œil, on lui dira, nous, à ce moment-là, Allahumma barik lak, barakallahu alayk, ou barakallahu lak. Voilà, donc on invoque la baraka, la bénédiction à la personne. Voilà, c'est facile à retenir. Pour soi-même, on dit, masha'Allah, la quwwata illa billah. Pour autrui, on dira, comme je viens de l'indiquer, on dira, barakallahu lak, ou Allahumma barik, barakallahu alayk. Ça, c'était la précision. Vous m'excuserez, des fois, je perds un peu mes mots. Parce que j'ai une chute de tension là qui m'a de nouveau affecté ces derniers temps, sûrement la fatigue, les surmenages, mais Inch'Allah ce n'est rien de grave. Ok, on va commencer Inch'Allah par nos questions. Alors nous avons celle-ci, comment le Coran a été assemblé, puisque les versets ont été révélés par fragments entre les versets révélés à la Mecque et ceux révélés à Médine. Il faut savoir que le classement des versets et des sourates s'est opéré sur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des scribes autour de lui. Parmi eux, les plus célèbres, nous avons Zayd ibn Thabit, nous avons Ubay ibn Ka'b, nous avons aussi Abdullah ibn Mas'ud et bien d'autres. Qui prenait note? C'était parmi les rares lettrés dans la cité mécoise. Comme vous le savez, l'Arabie était très illettrée, ils avaient une bonne mémoire, mais ils étaient très illettrés. Il y avait une petite minorité qui maîtrisait l'écriture et la lecture, ce sont eux qui prenaient note sous la supervision du messager sallam qui leur disait « Vous mettez ce verset à tel endroit, cette sourate à tel endroit. » Et le frère ou la sœur qui pose la question, je lui recommande de retourner vers certains ouvrages très intéressants consacrés aux sciences du Coran, qui abordent avec un peu plus de détails la façon dont le Coran a été assemblé. Alors ici j'apporte une précision très importante. C'est une critique orientaliste qui, malheureusement, certains musulmans contemporains l'ont avalée et l'ont digérée sans savoir d'où elle vient. Cette critique orientaliste prétend que le Coran n'aurait été compilé que 2 siècles plus tard, idem pour la Sunna. C'est la plus grande des aberrations qui puisse exister. Pour ce qui est du Coran, le Coran a toujours été transmis, il a toujours été transmis par mémorisation, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a des millions et des millions de musulmans qui connaissent le Coran par cœur. Il n'y a pas une lettre ni une virgule qui a bougé depuis l'époque prophétique. Donc ce risque-là n'existe pas. Et cette affirmation selon laquelle le Coran n'aurait été, et même la tradition prophétique n'aurait été compilée que 2 siècles plus tard, ça, comme le disait si bien l'islamologue Edward Said, qui avait écrit un ouvrage portant le nom L'Orient, donc vu par l'Occident, il avait une très belle phrase, il disait, je la résume, il disait que quelquefois l'Occident projette sur l'Orient ses propres frustrations. Et enfin, il fait de l'Orient son propre miroir en fait. En fait, il se voit dans le miroir de l'Orient. Et il lui attribue des faits et des agissements qui ne sont pas ceux de l'Orient, mais qui sont les siens à lui. Et ça, cet exemple-là en fait partie. Parce que la compilation tardive, 2 siècles plus tard, ça c'est ses propres évangiles, oui. Les évangiles n'ont été compilés, rassemblés, que près de 200 ans plus tard. Et parmi d'ailleurs déjà, par nombre d'auteurs chrétiens qui ont été appelés à procéder à une révision critique des éditions de la Bible, le disent dans les introductions de la Bible. Et aussi, nous avons aussi cet auteur français très connu qui s'appelle, qui avait écrit un très beau livre qui s'appelle L'Affaire Jésus. Je vais retrouver le nom après la pause, là maintenant j'ai une petite confusion dans la tête. Et donc cet auteur français... dans le début de son livre, retrace un peu l'histoire de la compilation des évangiles, et il soulève, alors que lui, il est chrétien quand il est convaincu. Mais il reconnaît qu'il y a eu une série
d'imprécisions, il y a une série de changements, de modifications qui ont été apportées au texte. Ça, ce ne sont pas les musulmans qui le disent. Ce sont des auteurs éminents, soit des auteurs de l'Église ou des intellectuels qui étaient croyants, comme c'était le cas de ce français. Je vais me rappeler au moment de la pause, là maintenant, ma mémoire me perturbe pour le moment. Donc, tout ça pour dire que cette allégation selon laquelle le Coran n'aurait été compilé que deux siècles plus tard, ou même la Sunna, je dirais tout simplement que cette allégation s'applique parfaitement sur les évangiles, ça oui. Mais le Saint-Coran, il n'y a pas à s'inquiéter, le Saint-Coran, depuis l'époque prophétique jusqu'à aujourd'hui, il a le principal vecteur de transmission du livre, fut la mémorisation. Le support écrit l'a accompagné, mais c'était surtout la mémorisation. Et la Sunna, c'était la même chose. La Sunna, c'était aussi la même chose. Encore aujourd'hui, on a des savants qui connaissent les six recueils de la tradition prophétique, ils les connaissent par cœur avec leur chaîne de transmission. C'est des milliers de hadiths, avec des milliers de noms. Donc ça, c'est de ce côté-là. Le risque est quand même, il est pratique, pour le Coran, il est nul. Pour la Sunna, il y a un travail de vérification qui a été fait, parce qu'effectivement, la mémoire des gens peut faillir, surtout que on relate des faits de l'époque prophétique, on n'est pas dans une transmission, on va dire, à la lettre près, comme c'est le cas pour le Coran. Donc la Sunna a fait l'objet d'un travail très critique fait par les savants du hadith, d'où la naissance de cette discipline qu'on appelle les sciences du hadith. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et je renvoie notre sœur au livre d'Asma Godin, qui s'appelle Les sciences du Coran, ou encore à celui de Monsef Zenati, qui porte le même titre, Sciences du Coran. Et là, il y a tout un chapitre consacré à l'assemblage du Coran et à sa compilation. Très bien. Deuxième question. Peut-on être dans la famille, je pense que c'est une sœur qui pose la question, peut-on être dans la famille avec le beau-frère dans le même salon, même si on porte le foulard? C'est une question qui revient très souvent et je voudrais rappeler ici un point fondamental, c'est celui de l'éthique. Ces questions-là sont liées à l'éthique musulmane, à la moralité telle que l'islam la conçoit. Et il est vrai qu'on privilégie à ce que dans une famille, à part si on est frère et sœur, avec nos oncles, nos tantes par exemple, bref, ceux qui sont nos mahram, il n'y a aucun souci, on se retrouve avec eux. Mais dans ce genre de cas, c'est clair que c'est une situation à éviter. À moins que vraiment l'appartement soit vraiment exigu, étroit, qu'il n'y ait pas beaucoup de pièces, là c'est une autre affaire. Mais sinon, dans l'absolu, et même, je pense, même la sœur elle-même serait même gênée de se retrouver en face de son beau-frère, par exemple, alors qu'elle n'a pas, bon, ça reste son beau-frère, elle n'a pas de lien, on va dire, elle n'a pas de lien familial premier direct avec lui. Donc c'est une question d'éthique, tout simplement. Il n'y a rien de discriminant dans cela. Et là, comme je le disais, la sœur musulmane, et même le frère aussi, hein, peut être dans une forme de gêne, du fait de se retrouver assis dans une même assemblée avec une sœur dont il n'en est pas le mahram. Donc je pense ici, la préservation de cette éthique et de cette moralité font partie des enseignements très importants de l'islam dans son volet éthique et aussi spirituel. Voilà, c'est vraiment lié à cette question-là. C'est la moralité dans sa dimension sociale et relationnelle. Toujours marquée par le respect, la décence, la pudeur. Chose que, malheureusement, dans nos sociétés modernes, on ne retrouve plus beaucoup. C'est considéré pratiquement comme déphasé et démodé. Je m'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. Et Inch'Allah Azzawajal, après la pause, on se retrouve bien là. Barakallahu fikoum, wassalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي
إلى بعض أزواجي حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. Avant de poursuivre, je me suis souvenu du titre du livre, l'affaire Jésus. L'auteur n'est autre que Henri Guillemin. Henri Guillemin, en deux mots, hein, comme ça on continue notre live, Inch'Allah. Henri Guillemin est un historien français. C'est un animateur de télévision et radio. D'ailleurs, sur le net, vous trouvez de nombreuses vidéos à lui où il expose des faits d'histoire. Ses émissions étaient, en son temps, elles étaient très très suivies. Je pense que dans mes souvenirs, il est décédé dans les années 90-90. Ils étaient très très suivis. C'était un animateur hors pair. Et cet ouvrage, comme je viens de l'indiquer, dans ses débuts, il revient sur l'histoire de la compilation de la Bible, donc des différents évangiles, et pointe du doigt les anomalies et même la gêne de l'Église par rapport justement à ces contradictions au niveau des différentes versions. Voilà, ça c'était juste pour remettre un peu le cadre et vous citer l'auteur, Inch'Allah. Troisième question. Doit-on faire attention où va-t-on se faire enterrer en Belgique, sachant que l'on peut se retrouver enterré non loin d'autres morts qui ne sont pas de la même confession? Ben, je pense que ce fait-là n'est pas envisageable pour la simple raison qu'il existe des parcelles entièrement dédiées aux musulmans, comme c'est le cas dans le cimetière des Verts par exemple. Dans le cimetière des Verts, c'est un cimetière multiconfessionnel, il y a une partie entièrement réservée aux musulmans et il n'y a pas de mélange. Ça vaut aussi pour les chrétiens, ça vaut également pour les juifs, pour les laïcs ou athées qui n'ont pas de confession. Ça vaut pour ces différentes confessions et philosophies. Ils ont leur parcelle et de ce fait, le problème ne se pose pas. Un point sur lequel je voudrais revenir et que j'avais oublié de signaler lors du live passé, c'était une sœur qui avait demandé qu'est-il préférable de se faire enterrer ici ou dans un pays musulman comme le Maroc par exemple, et elle posait la question d'un hadith qui parlerait de que le mort, comme quoi il se sentirait bien avec l'appel à la prière. J'avais évoqué qu'il n'y a pas de fondement à ce hadith, mais subhanallah, en répondant à la question, j'ai répondu à la fin, mais je n'ai pas enchaîner sur le début de la question. En fait, il faut savoir que dans la communauté, avant que ne survienne cette pandémie, la plupart des familles, lorsqu'elles avaient un défunt, je dis bien la plupart, pas toutes, hein, la plupart préféraient donc rapatrier le corps de leur défunt dans un pays du Maghreb particulièrement pour l'enterrer là-bas. C'était plus, on va dire, c'est plus de l'ordre, sentimental, culturel, de se sentir enterré dans son pays d'origine, etc. Mais rappelons tout de même que la terre est la terre de Dieu. La terre de Dieu ne connaît pas de frontières. Que la personne soit enterrée ici en Belgique ou ailleurs, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Autre chose là-dessus, c'est que le prophète sallam dit Asli'u bil janaiz, hâtez-vous à enterrer vos morts. Et c'est important de tout mettre en œuvre pour que le défunt soit enterré le plus rapidement possible. Que son enterrement se fasse ici, en Belgique même, ça reste la terre de Dieu, ou que ça se fasse dans un pays, dans le pays d'origine. Je ne peux pas parler de préférence, pardon, je ne peux pas parler de préférence. L'idéal, bien sûr, c'est de l'enterrer là où il est mort. Mais pour une famille, chacune, comment elle vit l'instant de la mort et du décès de son proche. Il y a des familles qui sont on va dire, très à cheval sur le fait d'enterrer leur défunt au pays d'origine. Et il y en a pour d'autres pour qui ça pose aucun problème de l'enterrer ici. Donc il ne faut pas sentir éprouver la moindre gêne d'enterrer ses morts ici. Ça reste la terre de Dieu, la terre qui nous a vu naître et grandir. Il y a même des compagnons qui sont nés à Médine, qui ont grandi à Médine et qui ne sont pas morts à Médine. Je vais prendre un seul exemple, le compagnon Abu Ayyub al-Ansari, Khalid ibn Zayd, qui lui est un pur Médinois, ce n'est pas un émigrant, c'est un pur Médinois.
sachez-le, mes chers frères et sœurs, il est décédé en terre de Byzance, dans l'actuelle Turquie. En terre de Byzance, pas loin du mur de Théodose. Le mur de Théodose, c'était le mur qui protégeait la ville de Constantinople, lorsqu'elle était la capitale de l'Empire byzantin. Dans une campagne, je pense que c'était lors du califat du compagnon Muawiya, que Dieu l'agrée, radiallahu anhu arda, il faisait partie de l'armée qui était partie en campagne pour s'emparer de Constantinople. Et il n'a pas survécu à cette campagne. Et au moment où il allait mourir, il a demandé à ce qu'on le rapproche le plus possible du mur de Théodose. Et on l'a rapproché et il était enterré non loin de cette muraille. Mais après, en 1453, lorsque le jeune sultan ottoman intrépide et fin stratège qui était Mohammed Fatih, lorsqu'il a conquis Constantinople le 29 mai 1453, il a à ce moment-là donc cherché après la tombe d'Abu Ayyub Ansari. Il a fait déplacer la tombe et l'a installée à l'intérieur d'Istanbul. Il se trouve d'ailleurs maintenant dans la mosquée Sultan Ayyub. Dans la mosquée Sultan Ayyub. Tout ça pour vous dire que voilà, ce compagnon est né à Médine, la grande est à Médine. Où va-t-il mourir? Il va mourir aux frontières de l'Empire byzantin, enfin en tout cas sur les terres byzantines. Et d'autres compagnons peuvent également être cités. Certains sont morts en Irak, d'autres sont morts en Égypte, d'autres encore sont morts dans la Perse ancienne, ce qu'on appelle l'Iran aujourd'hui. Comme le dit le Seigneur, « Oma tadri ma da taksi borada » Tu ne sais pas ce que tu vas acquérir demain, et une âme ne sait pas demain où elle va mourir. Ça, on n'en sait rien. Ça, c'était pour la question de l'enterrement. Comment peut-on savourer la prière comme notre cher prophète sallam? Question sur laquelle nous sommes déjà revenus précédemment. J'avais déjà évoqué ce point-là. Je résume ça en deux mots. C'est déjà reconsidérer la prière, la remettre au centre de nos priorités, ça c'est la première chose. Et en même temps, il y a un travail de foi sur nous-mêmes, par rapport à la lecture du Coran, par rapport au dhikr, par rapport aux invocations que l'on fait. Bref, ce contact permanent avec Dieu qui va servir d'affluent pour nourrir notre prière et pour lui donner de la présence. Parce qu'il y a deux étapes dans la prière. Il y a ce qu'on appelle l'étape de la présence même, ce qu'on appelle le hudur, d'accord. Et puis il y a l'étape de tadabbur et le khushu', l'étape de la méditation et de l'humilité dans la prière. Et je renvoie entre autres à l'ouvrage que j'ai pu rédiger dans ce domaine qui s'appelle l'humilité dans la prière et que notre frère ou notre sœur peut trouver sur le marché facilement. Peut-on écrire les noms sur les tombes pour les reconnaître ou est-ce interdit? Si ce n'est juste écrire le prénom et nom de famille, Inch'Allah, il n'y aura pas de souci en tant que temps. On peut comprendre que certaines familles, surtout lorsque les cimetières s'agrandissent, que certaines familles veuillent reconnaître la tombe exacte de leurs proches. Mais il faut rappeler une chose importante, c'est que la tombe doit nous rappeler l'au-delà. La tombe ne doit pas nous rappeler cette vie d'ici-bas. On voit malheureusement dans des cimetières que ce soit en terre d'islam au Maroc ou ailleurs, même ici hein, dans le cimetière des Verts, on voit des tombes qui sont décorées, qui sont ornées, faites de marbre, etc., etc. On peut comprendre humainement l'attitude de la famille qui veut honorer leur mort, etc. Mais ce n'est pas le but premier. Le but premier d'une tombe, ce n'est pas de rappeler cette vie d'ici-bas avec du marbre, avec de la décoration, avec des objets, etc. Le but premier, c'est que la tombe nous rappelle notre éphémérité, nous rappelle que nous ne sommes ici que de passage. Et ce n'est pas un hasard si le prophète Sim disait à ses compagnons, dans ce hadith rapporté par Muslim, il disait « Inni qad kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum bil akhirah. » Je vous avais défendu de visiter les tombes auparavant. Maintenant, visitez-les car elle vous rappellera l'au-delà. Et si vous allez à Médine, certainement certains d'entre vous ont dû y aller précédemment, dans le cimetière d'El Baqia, où on enterre encore aujourd'hui. Ça fait 15 siècles qu'on enterre des morts dans ce cimetière. Quand vous êtes dans ce cimetière, vous verrez qu'il n'y a rien. Il n'y a qu'un petit morceau de pierre pour délimiter les tombes les unes des autres.
si ça s'arrête juste à l'écriture, il n'y a pas de problème. Aussi mettre des briques autour pour éviter que lors des pluies et des vents, que la terre ne s'affaisse et qu'elle devienne boueuse, ça, il n'y a aucun souci également. En résumé, la simplicité, c'est ce qui est demandé concernant une tombe. Voilà, Allah Alam. Ça en a répondu. Comment apprendre le tawhid? C'est une très bonne question. Comment apprendre le tawhid? En fait, je pense qu'il y a un élément qui manque aussi dans la question, et que je me permets de le rajouter, c'est comment apprendre le tawhid et comment le vivre. Parce qu'il ne suffit pas de l'apprendre. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui connaissent par cœur des passages d'ouvrages qui parlent du tawhid. Mais où est l'impact du tawhid dans leur vie, dans leur comportement, leur conduite, leur relation avec autrui? Il y a un déficit, une déficience à ce niveau-là. Je commencerai par le début, apprendre le tawhid. La première étape pour apprendre le tawhid, c'est le Saint-Coran, le Qur'an Karim. Parce que le Saint-Coran, c'est la première source où le croyant va découvrir ce qu'est le tawhid, l'unicité de Dieu, sous toutes ses déclinaisons. Lorsque le Seigneur parle de sa toute-puissance et qui fait référence à Rububiya, la seigneurie de Dieu, qu'il est maître de la création, qu'il a le dernier mot, qu'il en est le garant, le gérant. Lorsque le Seigneur Azza wa Jalla parle également, évoque les fausses divinités et interpelle ces divinités pour affirmer son unicité dans son adoration. On est dans l'Uluhiyya. Lorsque le Seigneur Azza wa Jalla cite ses noms et attributs et les effets de ses noms et attributs dans sa création, nous sommes dans l'Asma Sifa, dans l'unicité touchant aux noms et attributs divins. Le Coran Karim, ça peut même être un cours, une conférence, ou même un séminaire. Le Coran Karim décline de différentes manières la façon de présenter le tawhid. Et c'est pour ça que la première étape pour apprendre le tawhid, c'est de s'abreuver de la connaissance coranique. Parce que c'est là que le Seigneur nous a appris qu'est-ce que le tawhid, l'unicité, et pourquoi nous devons être des monothéistes mouhidoun, et quels sont les dangers de l'associationnisme shirk sur toutes ces coutures. Qu'il s'agisse de l'associationnisme, de ce qu'on appelle le grand associationnisme, shirk al-akbar, ou l'associationnisme mineur, shirk al-asrar, avec même ces déclinaisons modernes d'aujourd'hui. Ceux qui sont attachés à l'argent, ceux qui sont attachés au matériel, ceux qui ne jurent que par ça, c'est aussi une forme de shirk. C'est également une forme de shirk. La deuxième étape aussi, c'est, bien qu'elle puisse se faire en parallèle du Saint-Coran, c'est la tradition prophétique. Et sachant que les recueils du hadith ont été classifiés sous forme de thème, vous avez le chapitre du tawhid, l'unicité, que l'on retrouve dans Sahih al-Bukhari, dans Muslim, dans d'autres recueils de la sunna. C'est bien aussi de se pencher sur les hadiths, de les découvrir, de les méditer, qui aborde la question de l'unicité. Puis il y a des ouvrages aussi. Troisième étape, il y a des ouvrages qui traitent également de la question de l'unicité. Vous avez un très beau livre qui a été publié par les éditions de Hadith, qui s'intitule « Comprendre les noms d'Allah ». Je vous avais parlé il y a quelques semaines d'un ouvrage dont je pensais qu'il n'avait pas été traduit, « Lakinnahu Allah »,« Mais c'est Dieu ». Ce livre a été traduit. Il y a un frère qui m'a interpellé un ou deux jours après le live, il m'a dit, écoutez, le livre a été traduit en français, c'était une bonne nouvelle. Vous pouvez le trouver, Inch'Allah, aux éditions Al-Madina. Aux éditions Al-Madina, vous pouvez trouver cet ouvrage-là. Lakinhu Allah, Innahu Allah plutôt, Innahu Allah. Donc certes, c'est Dieu. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais en tout cas, il a été traduit avec certitude. Puis vient la question de comment vivre avec le tawhid. Vivre avec le tawhid, c'est au quotidien. Ce n'est pas seulement dans les livres, dans la connaissance théorique, c'est dans le quotidien. C'est dans ton rapport avec le destin, c'est dans ton rapport avec le risque, avec les biens que Dieu te donne, qu'il te donne en abondance ou de manière limitée. C'est ton rapport avec ceux qui t'entourent.
C'est dans la vie de tous les jours que s'enracine l'unicité qui te lie à ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Il y a ce combat dans cette vie pour t'élever dans les échelons de la foi. Donc le tawhid se vit et ne s'étudie pas seulement. Comment faire le mariage religieux avec le Covid et en ayant les parents malades? C'est vrai que avec le Covid, les choses se sont quelque peu compliquées. Je rappelle en passant que le mariage civil est plus qu'important. C'est une garantie. Déjà, c'est un devoir moral pour nous, dans un premier temps. Et ensuite, c'est une garantie. Moi, je pense, pour ce qui est du frère ou de la sœur qui pose la question, c'est que l'idée, c'est de reporter, vu que les parents sont malades, c'est de reporter ce mariage le temps que les parents se remettent, Inch'Allah, de leur maladie. Et si le mariage religieux venait à se faire, et qu'on ne sait pas réunir les concernés, ben alhamdoulilah, aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut faire ça via donc vidéoconférence et échanger les consentements, chacun dans son domicile. Ça peut se faire sans aucun problème. On a le son et l'image, donc il n'y a pas de risque à ce que cela soit trafiqué. Ça, c'est un cas de nécessité de Darura. Et ce majlis fait virtuel, ce majlis, cette assemblée virtuelle constituée, vaut une assemblée physique. D'accord ? Quand une femme veut se séparer de son mari, al-khul', quelles sont les conditions? Alors, je voudrais juste rappeler un point très important, c'est que dans les lives, j'évite de traiter les questions du divorce, parce qu'il faut écouter des deux parties. Déontologiquement et islamiquement, on doit écouter les deux parties. Et tout frère ou toute sœur qui se retrouve dans ce genre de situation, je le recommande de prendre contact avec le service social de la mosquée Al-Amal. Il y a un imam francophone. Vous pouvez trouver d'ailleurs le numéro sur la page des jeunes de la mosquée Al-Amal. Il y a normalement une permanence. Je ne sais pas, Mohamed, elle est toujours d'actualité, la permanence? Donc, elle est physique ou par téléphone, la permanence? Par téléphone. Par téléphone, hein. Donc là, il y a un imam francophone. C'est le professeur Youssef Nouali. Le frère ou la sœur, enfin en tout cas les conjoints, parce que bon, il n'écoutera pas une partie sans écouter l'autre, les conjoints seront appelés, Inch'Allah, à contacter cet imam-là francophone pour soumettre leur situation. Sinon, dans les grandes lignes, à l'époque du prophète, sallam, il y a une femme qui est venue le voir et qui a demandé à se séparer de son mari. Et le prophète, sallam, a voulu savoir quelle en était la raison. Elle répond qu'elle craint de mécroire en la vie conjugale. Elle dit, je ne lui reproche rien au niveau de sa foi et de sa moralité, donc c'est un époux pieux, de bonne moralité, mais ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas du tout. Et c'est là que le messager lui a dit, es-tu prêt à lui remettre son jardin? Ataruddin alayhi hadiqata. Car la dot qu'elle avait reçue, c'était un jardin. Elle a dit oui. Et le prophète a signifié à ce compagnon d'accepter le retour de sa dot, moyennant le fait de la laisser partir. Et elle a dû observer une période de viduité pour ensuite être libre et se remarier si elle le voulait. Donc ça, c'est en gros les conditions de l'khulul. Les conditions de l'khulul, c'est d'avoir un majlis. Éviter de faire ça en tête à tête, juste l'époux et l'épouse, parce que ça donne lieu à beaucoup de contestations. Le mari demain dit, moi je ne t'ai jamais dit ça, je ne t'ai jamais dit que j'étais d'accord. De préférence avoir des témoins. D'ailleurs, le fait d'avoir des témoins, ça fait partie de la sunna. Le prophète sallam dit, min as-sunnati al-ishhadu fi at-talaq, fait partie de la sunna de prendre des témoins lors d'un divorce. Et le mari devra donner suite à ce moment-là. Il peut récupérer sa dot, sauf s'il n'en veut pas. Et la sœur, après, elle est tout à fait libre, bien sûr, en parallèle aux démarches administratives, civiles, qui sont également à ne pas négliger. Ça, c'est pour cette question. Alors, on arrive à la dernière, Inch'Allah. Qu'en est-il d'une somme prêtée à quelqu'un sans écrit, puis un an est passé et toujours pas de remboursement? Les prêts d'argent font malheureusement souvent l'objet de très très grands conflits entre des frères et je suppose aussi entre des sœurs. Bon, j'entends plus cela entre les frères. Je connais des frères qui étaient des grands amis d'enfance et qui aujourd'hui ne se parlent plus. Ils ne se parlent plus et ne se fréquentent plus. Pourquoi? Des histoires d'argent.
le plus long verset dans le Saint-Coran, le Coran Karim, c'est le verset de la contraction des dettes. On l'appelle en arabe Ayatul Mudayana. C'est le verset, pour celles et ceux qui veulent la référence, le verset 282. Le verset 282, c'est le verset le plus long du Saint-Coran. Ce verset, qui commence par ceci, Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh. Ô vous les croyants, si vous contractez mutuellement une dette jusqu'à échéance, écrivez-le. Il est fortement recommandé de mettre par écrit les dettes. Parce que le temps passe, on peut oublier. On peut oublier également les conditions qui ont été mises lors de cet emprunt ou de ce prêt. Il n'y a pas de meilleur que de mettre par écrit, voilà, je t'ai prêté autant, tu me le remettras à tel délai, et que chacun garde une copie de ce document établi, signé par les deux parties. Et malheureusement, il y a encore des frères aujourd'hui qui fonctionnent avec, j'appelle ça une confiance naïve. Il dit, mais c'est mon ami de longue date, il ne va jamais me trahir. Ce n'est même pas une question de trahison. C'est que l'autre personne peut oublier. Elle ne l'a pas fait exprès, elle peut oublier. Les années passent et elle ne se souvient plus avoir reçu de l'argent de la première personne. Ça peut arriver. Et ça fait naître de l'animosité et des conflits entre ces deux parties. Donc il n'y a pas mieux que de mettre ça par écrit. De mettre ça par écrit, vous connaissez l'expression française, les bons comptes font les bons amis. Donc mettre ça par écrit, et là, à ce moment-là, tout le monde est tranquille. Et ne pas jouer sur les sentiments, nous, on est des frères, on est des sœurs. Ça, on le sait qu'on est des frères, on est des sœurs. Il n'y a aucun souci par rapport à cela. Mais il faut toujours voir très loin. Et souvent, cette fraternité appuyée par une confiance naïve finit par se fracasser sur l'autel des conflits. Plus tard, ces deux frères-là qui se sont fait confiance mutuellement, non, on n'a pas besoin d'écrire, moi j'ai confiance en lui, c'est un frère que je connais depuis longtemps, ou une soeur que je connais depuis longtemps. Les années passent et la relation se délitère et se dégrade complètement parce que l'une ou l'autre partie conteste l'une ou l'autre condition ou le délai de remboursement ou la somme prêtée, etc. Donc là, on voit que le Seigneur Azza wa Jalla a développé toute une législation concernant les dettes contractées, et ce n'est pas un hasard. Vous imaginez, c'est le verset le plus long du Saint-Coran. Je rappelle, verset 282. Donc l'idéal, c'est de mettre ça par écrit pour éviter les conflits. Je termine, Inch'Allah, ce live par vous remercier une fois pour toutes, une fois de plus, vous toutes et tous, chers frères et sœurs, pour votre participation à ce fameux mailing list. Nous sommes arrivés à plus de 974 personnes inscrites. On approche 1000 personnes. On fera, Inch'Allah, bientôt un nouveau rappel par rapport à ça. J'ai déjà choisi les 5 ouvrages qui vous seront, Inch'Allah, envoyés le 5 du mois, Inch'Allah, 5 janvier. Comme je l'ai dit, chaque 5 du mois, il y aura une liste de 5 ouvrages avec description générale du contenu de cet ouvrage. Et après, à vous de faire le reste. Et sur ma page Facebook, vous retrouverez également le mode d'emploi que j'ai rédigé pour savoir comment fonctionnera ces fameuse listes suggestives. Il y a aussi une sœur qui m'a fait part d'une chaîne YouTube qu'elle a créée, que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Cette sœur a créé cette chaîne YouTube dans laquelle elle poste des podcasts consacrés à des ouvrages, donc des podcasts qui présentent des ouvrages. Je pense qu'elle a une petite dizaine déjà de podcasts. C'est pas très long, ça dure entre 3, 4, 5 jusqu'à 6 minutes. Et je vous recommande, si vous avez envie de découvrir, d'y retourner, pourquoi pas de s'y abonner si ça vous intéresse. Je vous donne les références de cette chaîne YouTube, c'est Hana, donc H-A-N-A, D-S, D majuscule, S majuscule, il y a un point après le S. Vous pouvez découvrir sa chaîne YouTube, Inch'Allah, et vous verrez qu'elle a plusieurs podcasts qui présentent des ouvrages. Et en tout cas, j'encourage notre sœur à continuer sur cette voie, Inch'Allah. Et j'aurai bien sûr plaisir à partager avec vous ces fameuses listes suggestives, tout comme je compte, Inch'Allah, dans les semaines à venir, partager aussi avec vous des propositions de chaînes YouTube qui
qui se consacre à la présentation d'ouvrages ou de thématiques. Ça pourrait vous intéresser aussi, Inch'Allah, en plus de la lecture. Je sais qu'il y a pas mal de frères et sœurs qui aiment bien visionner des vidéos sur YouTube. Ben, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, lire sur papier et voir aussi des vidéos. On peut combiner les deux sans aucun problème. Et j'ai quelques pistes là-dessus, Inch'Allah. Je vous les communiquerai dans les semaines à venir, Inch'Allah. Voilà, je vous souhaite à vous tous et toutes une agréable soirée. Barakallahu fikoum. Vous m'excuserez pour ma fatigue d'aujourd'hui. Et ne m'oubliez pas dans vos invocations. Jazakumullah khairan. Et je vous donne rendez-vous au prochain live, Inch'Allah. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.